Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Nos de Chambly pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je propose qu'on découvre ensemble les nouveautés du jour. Il y a du monde, c'est parti. Bon, super, il y a des oliviers, mais ils sont vendus. Donc voilà, 165 euros, 180, mais les trois sont vendus a priori. Il y a des étiquettes. Voilà, désolée pour les intéressés. Hein. Bon, c'est parti. Allez la team, aujourd'hui je commence à la beauté puisqu'on n'en a pas eu beaucoup ces derniers jours. Et je vous propose qu'on commence par ceci. Donc c'est un pain de savon pour les mains. Ça coûte 1,30€. Ça sent l'orange. Ça sent super bon. Donc 1,30€, pardon, j'allais dire 30€ le savon. À côté, qu'est-ce qu'on a? À 1€, on a des kits gloss avec contour des lèvres. Je crois qu'il y a... Non, je crois qu'il y a que cette couleur. Ouais, je vois que cette couleur-là. Donc ça, c'est 1€ pièce. Ça, c'est pas nouveau. Vous savez, c'était les fonds de teint à 1,10€ de la marque Divage. Du coup, ça, vous les connaissez. Ici, vous avez des vernis à ongles à 2€. C'est des... Je crois que c'est des vernis, vous savez, qu'il faut mettre sous la lampe. J'y connais pas grand-chose, mais je crois que oui. Hein. Je crois que c'est des gels à 2€. Il y a plein de couleurs. Il y a des couleurs néons, il y a des bleus, il y a des rouges. Encore à côté, ça c'est un vernis à ongles à base de kératine. C'est 50 centimes pièce. Ok. Encore à côté, vous avez cela à 75 centimes de la marque Laura Beauté. Et là, vous avez des couleurs tradies et couleurs un peu fun. En dessous, les petites brosses, je ne sais pas du tout à quoi ça sert ça par contre, ça coûte 79 centimes. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. C'est un plumeau avec une brosse. Ok. Les sacs poubelles, c'est des grands, ils font 120 litres ceux-là. Ils sont à 80 centimes les 10, 120 litres. Hein. Donc si vous avez une poubelle extérieure, c'est pas mal. Et je continue par ici, on arrive sur l'anti-moustique. Alors il y a une jolie qui m'avait dit, faites gaffe, parce que les dates... Donc là, c'est juin 2022. Je ne sais pas si ça marche après la date de péremption, mais voilà, je vous donne l'info. Donc, c'est 1€. Merci à la jolie qui m'a donné l'info, parce que moi, je n'avais pas du tout regardé. Et ceux-là sont à 50 centimes, les 60 ml. Là, je ne vois pas les dates. Voilà. Dentifrice Oral-B, c'est 1,80€, les 75 ml. Et là-bas, ils sont encore en train d'installer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bazar. On reviendra à la beauté plus tard. Je vais essayer de me frayer un chemin. Regardez, il y a des préparations pour faire des fondants chocolat à 2,40€ pour la team flemmarde comme moi. Et vous avez les cœurs coulants ici à 1,67€. Allez, je file au fond du magasin. Et je commence par des orchidées à 4€. Donc tiges 55. Il y en a que de 55 et d'autres qui font 70 cm. Bon, j'y connais rien en fleurs, hein, vous devez le savoir à force. Elles sont sympas, elles sont jolies. À côté, pour la team Puzzle, 6€ les 500 pièces, c'est la marque Clémentoni. Il y en a des jolies. Vous avez ici des puzzles aussi, Stranger Things, Netflix, pour les gens qui ont kiffé la saga. C'est 7€ le puzzle. Ça doit être une marque hein, pour avoir des licences comme ça. Vous avez celui-ci aussi à 6€. Ça, c'est un 500 pièces. Ça, c'est un cadeau sympa à offrir. Regardez. Harry Potter aussi. Pour le coup, c'est sympa. Plus ça détend de faire des puzzles. En 1000 pièces, vous avez ce modèle-là à 7€. Il y en a plein. Hein. Là, il y a un autre à 1000 pièces, 7€. Et là, il y a les mignons à 7€. Du coup, j'en profite pour remercier Régine et Fred. Voilà, c'est Naïma qui vient de me le ramener. C'est des croquettes pour mon petit chat. Merci beaucoup. Il fallait pas vraiment, mais mon petit popo vous dit merci aussi, il sera content. Hein. Allez, je continue ma vidéo. On a des plats Marinex, le retour à 1,50€. C'est ceux-là en 600 ml. Ils sont pas mal pour faire des clafoutis, par exemple. Ceux-là, les plats à manquer, alors c'est 26 cm de diamètre. Et ceux-là, ils sont à 2,50€. Ça, c'est cool, ça. En plus, ils sont pas trop lourds. Parce que moi, les plats en verre, j'adore. Mais les trucs là qu'on n'arrive pas à soulever, c'est une galère. Et ici, on a ce modèle à 2€. Voilà. Donc là, pour ici, c'est carré, c'est fait. Les petites glues pailletées, c'est 2€. 2€, vous en avez 10.
Et à côté, on a des microfibres de lustrage à 2,50€. Ça, c'est pour nettoyer la bagnole, c'est pas mal. Donc 2,50€, vous pouvez les laver à 90 degrés. C'est 40 par 40, donc elles sont plutôt grandes. Hein. Plutôt grandes. À côté encore, on a des microfibres pour nettoyer le cuir à 1,30€. Ouais, c'est la même chose. Et ça, c'est des gants, mais je pense qu'ils sont, ils sont pas ici normalement, donc je vais les laisser là. Pour ranger vos documents, vous avez des pochettes ici à 1,15€. Pochette à rabat. Et puis, bah, on va aller voir de l'autre côté. Allez, de l'autre côté, on a un ouvrage. Estelle Denis, j'adore Estelle Denis. C'est vraiment une nana que j'adore. C'est 2,50€ se mettre au running quand on est flemmarde et occupé. Et derrière, mes cartes à gratter, ça c'est pour les enfants, je crois bien, non? C'est 1€. Vous avez les tests et quiz à 1€ aussi. Les lapins crétins, c'est 2€. J'écris chaque jour le journal intime qui a du sens à 2€. Le cinéma et son langage, 1€. Et ici, vous avez Emoticon Challenge. Ça, c'est pas mal pour offrir les petits coffrets comme ça, c'est génial, c'est 2€. Ah, si vous êtes maman en devenir, vous avez ici l'officiel des prénoms. Pourquoi pas, si vous cherchez un prénom pour votre enfant, ça coûte 3€. Et vous avez un petit carnet qui est offert en plus. Journal secret Pokémon, c'est 2€. Vous endormez pas, hein. Soyez bon. Samia Orosman, femme de couleur. 2,50€ le livre. C'est une humoriste, je crois, de mémoire. Hein. Je connais vaguement. Donc voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bien, vous pouvez lui offrir. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a Le Dernier Hiver. C'est un bouquin? Oui, c'est un livre. C'est 3€ celui-là. Le Désordre des Identités. C'est un roman à 2,50€. Ah, alsacienne que je peux que kiffer ça. Dictionnaire amoureux illustré de l'Alsace, 4€. Si vous avez une bibliothèque, achetez-le, mettez-le dedans, vous n'allez pas regretter, promis. Et ici, on a France de l'amour et des tentations. Ça coûte 4,50€. Je continue hein, avec un livre sur le docteur Jean-Pierre Cohen. Je ne vous abandonnerai pas à 2,50€. Ah, pour les fans du PSG, Révélation d'une révolution, c'est 3€. Ils n'ont pas trop fait la révolution, je trouve, mais bon. Et ici, on a Supporter français à 2,50€. Bon, allez, j'arrête là, parce que sinon, je vais endormir tout le monde. Et sachez que vous avez du choix. Allez, je continue ici, la team, avec des tirelires, je crois bien. Ouais, des tirelires. C'est pas mal, ça. Ça coûte 80 centimes. Elles sont toutes en métal. C'est ça qu'il y a dedans ? Les chaussettes. Ah, en fait, c'est des chaussettes dedans. Mais non, alors attendez, c'est celui-là ? Ici, vous avez des chaussettes en boîte. C'est 1€. Donc, à offrir, c'est pas mal, ça. 1€ la paire. Ça se présente dans des boîtes comme ça, vous voyez, fermées. Et vous avez ici les deux paires à 1,50€. Donc là, c'est rose et bleu. Vous pouvez vous faire un kiff avec votre conjoint, par exemple, ou un pote, ou n'importe. Donc, voilà, ça, c'est pas mal du tout. Les tongs, elles sont à 1,50€ la paire. Ici, on a de la papeterie. C'est quoi? C'est des classeurs à 1,50€ aussi. Et là, vous avez des super carnets à 5, avec des post-it, des choses comme ça. Porte-clés, ça, c'est 3€. Sympa aussi. Les petites trousses, elles sont à 1,50€. Donc, vous avez des bleus et vous avez des roses. Pas mal du tout. Allez, par ici, les scrappers, vous allez être contents. Vous avez des tapis de découpe, donc pour le scrapbooking. C'est 10€, ceux-là. Ils sont à 10€. Ils sont pas mal, ils sont bien épais. Hein. Vous avez plusieurs couleurs. Et vous avez les petits, ici, à 5€. C'est du format A2, et ça, c'est format A3. Voilà. Agenda parole de sorcière. Ça, on les a déjà vus, non, je crois. Je crois beaucoup. Oui, ils sont à 1€. C'est des agendas 2020-2021. Et à côté, vous avez des jeux de l'été pour les enfants. Ceux-là, ils sont à 3€. 3€ quand même. Hein. Cahier spiritualité. Allez, je vais voir de l'autre côté du magasin ce qu'on a de nouveau. Ici, vous avez des coussins, le retour à 4€. C'est des 30 par 50 avec pompons. Ils sont déhoussables, hein, tout en coton. Et en 45 par 45, vous avez ceux-là à 4€. Globalement, c'est toujours des bons coussins qu'ils ont ici.
Et on a des Draus. Alors, Draus, 160 par 200, c'est 8 euros. C'est du 100% coton, 57 fils. Est-ce qu'on a des... Ouais, il y a des 140 par 190 aussi. Ceux-là, ils sont à 7. Et... Oh, ils sont sympas, ceux-là, avec des roses. Il n'y a pas plus grand, hein. Je vois pas de 180, non. Ceux-là, les coussins, c'est 4 euros. Et je vais continuer ici. Alors, il y a des... Des boîtes en métal pour ranger vos gâteaux, par exemple. Alors, attendez, elles sont à combien? C'est par 3, en fait. C'est un lot de 3 boîtes, voilà. Vous achetez ceci à 3,50. Voilà, 3,50 les 3. Oh, ça, c'est mignon, les petits mugs. Alors, c'est mignon et c'est glauque en même temps. C'est un mug oreille. 75 centimes. C'est assez drôle, quand même. C'est vendu dans un carton, comme ça. Et à côté... Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour faire des glaçons en forme de dinosaure, ok. En T-Rex. C'est 50 centimes. Le mug avec l'oreille, il y en a aussi des blancs. Hein. Ok. Ensuite, ça c'est pour mettre les étiquettes bagages. Votre nom pour mettre sur votre bagage à 50 centimes. Et alors ça, ça coûte 1 euro, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne sais pas. Aucune idée. Pour le sel et le poivre, vous avez ceci, les petites chopes, c'est 1 euro les deux. Et ici, on a des petits sacs pour mettre le linge. Je crois que c'est un sac isotherme. Ouais, ce sont des sacs isotherme à 2,50 euros. L'autre fois, j'ai dit hermétique, hein. Désolée, merci à Joe qui m'a corrigé. 2,50 le sac. Voilà. Encore un sac cabas isotherme, 20 litres cette fois-ci, à 3 euros. C'est bien ça, ils sont grands. Il y en a d'autres à côté à 1,50 €, mais ça c'est pas, c'est un porte-bouteille, c'est pas un sac isotherme. Les sacs à dos, ça c'est cool, ça ça coûte 3 euros. Ça c'est un sac à dos isotherme, par contre il est lourd, hein, déjà de base, donc j'imagine avec des trucs dedans ça doit être quand même galère, hein. Pour ranger le courrier ou pour mettre sur le bureau, vous avez ici des portes lettres à 1 euro et les porte-vues ici c'est 3 euros. Il y a 80 vues à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Ici il y a des post-it à 2,50. Et alors là il y a des carnets à 4 euros. C'est des grands cahiers. Ah oui, donc là c'est, vous pouvez colorier, écrire. Ouais. C'est Oxford qui propose ça. Il y a un autre format à 3 euros. Pareil, vous avez des choses pour colorier, pour écrire, la totale. Bon, ça, c'est du fil de pêche, c'est 1,10 €. Pour mettre vos crayons, ça, ça coûte 1 euro aussi. Les ciseaux, donc c'est la marque Office Depot, hein, c'est un déstockage, c'est 1 euro. Et ça, c'est pour enlever les agrafes, c'est 50 centimes. Ici, il y a d'autres paires de ciseaux à 1 euro. Et on a celle-ci à 1 euro aussi. Tout ça, c'est de la papeterie. Les agrafeuses, si vous en avez besoin, c'est 2,50. Vous avez des boîtes d'agrafes aussi que vous pouvez prendre à 50 centimes. Pareil ici, c'est 50 centimes la boîte. Alors ça, c'est quoi? C'est ceci, je ne sais pas ce que c'est. Ça coûte 1,20 €. Je ne sais pas, peut-être mettre une bougie dedans, peut-être. Ouais, je pense que c'est pour mettre une bougie dedans. Ici, on a des supports téléphone à 50 centimes pour poser sur le bureau. En silicone. Et alors ceci, c'est pour mettre du sel poivre, c'est 1,50. Je finis avec ça, c'est pour fermer vos bagages. Ça c'est pratique, à 1 euro. Pas que la valise s'ouvre. Et ça c'est pour ranger les bagues. Ça coûte 1 euro. Allez, je finis avec ça, après promis, on va voir ailleurs, parce que sinon je vais vous endormir là. Ça aussi c'est pour mettre vos bagues. Ça coûte 75 centimes. Infuseur à thé, 1 euro. Ça, c'est pour égoutter. Ça coûte 1 euro. Et les petites pochettes pour mettre votre iPad, c'est 50 centimes. Oh là là, mais attendez, il y a encore des trucs là. Les teams badminton, 1,50 les 3 volants, 2,50 les 6. Et après, là, il y a plein de trucs à 50 centimes.
pour ranger votre casque. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour mettre vos cartes de visite. Ok, et ça coûte 2 euros. Et les saucisses. C'est un dessous de plat. Ok, la team. Ok, ok. Je finis avec ça. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pour hacher, vous voyez. Pour râper, pardon. Râper, ça coûte 50 centimes. Ça, c'est sympa comme truc. C'est cool en plus. Et ici, on a ceci. Je crois que c'est des assiettes découvertes à salade et c'est 50 centimes. Bon, il y a énormément de choses ici qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, je vous propose qu'on continue, du moins si vous êtes toujours là. Hein. Je récupère mes croquettes. Merci encore. Allez, je m'en vais faire un tour côté bazar là-bas. On va voir s'il y a des petites nouveautés en textile et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça commence ici. Il y a des chaussures de sécurité. 10 euros la paire. Il y a plein de pointures. Hein. Je vois du 43, 45, 44. Les claquettes, c'est 3 euros. 99, pardon, 4 euros pour femmes. Là aussi, vous avez plein de pointures. Énormément. Vous avez celle-ci aussi à 4 euros. Hein. La paire. Je vous l'ai montré de haut. Alors ici, on a des accessoires. Il y a des étuis à lunettes, je crois, hein, à 2 euros. Ça, à première vue, comme ça, on dirait, vous savez, les... pour mettre du parfum, là, pour mettre dans le sac à main, mais je suis pas sûre. Et ça, ce sont... Mais il y a des lunettes. Attendez, il y a des lunettes aussi. Oui, il y a des lunettes aussi à 2 euros la paire. C'est marrant. Non, ce sont des lunettes. Oui, il y a des lunettes, en fait. C'est 2 euros. Désolée, hein, je l'ai ouvert, du coup. Je crois que ce sont des lunettes de vue, enfin des loupes, quoi. Oui, puisque ça fait plus 1, en fait. C'est écrit là, la correction. Plus 1. Celle-ci, c'est plus 1 aussi. Et alors ça, je sais pas ce que c'est, du coup, ce truc. Alors là, non, les gars. C'est des lunettes aussi. Non, mais sérieux. Genre, c'est pour mettre sur le bout du nez, non? Vous voyez ou pas la taille du carreau? C'est aussi une correction plus 1. Mais par contre, génius, parce que c'est vraiment rikiki. Donc voilà, ce sont bien des lunettes aussi. Ok, j'ai élucidé le truc. Allez, par ici, on a des chaussons à 4 euros, la paire. Et là, c'est des petits tops à 2 euros, comme ça. Des petits crop tops. Non, c'est des ceintures. Désolée, hein. Je croyais que c'était un top. Vu que maintenant, c'est tout, tout dénudé, tout la mode, je croyais que c'était ça. Mais non, je crois que c'est une ceinture, ça, à 2 euros. Et là, vous avez des chemises à 3 euros. Ce sont des chemises pour femmes. Il y a du 3XL et vous voyez, il y a d'autres couleurs. Je crois bien que c'est des manches longues. Ils ne l'ont pas déballé, donc... Quoique, j'ai un doute, c'est pour femmes ou c'est pour hommes? Je crois que c'est pour femmes, si, si, à 4 euros. Les chaussettes, c'est par 3 à 4 euros. Et pour ici, je pense qu'on a fait le tour. Je vais aller voir, vous savez, le reste de beauté pour voir si on a loupé un truc ou pas. Regardez. On y va ensemble. Parce que avant, ils étaient en train de mettre des choses. Le rayon alimentaire aussi, il y a plein, plein de choses. Ça vaut le coup, c'est cool. Regardez, il y a des petites trousses de toilette ici. Elles sont adorables. À 1,50€. Vous avez plusieurs coloris. Les limes, c'est 75 centimes. Vous avez des polissoirs aussi blocs. Il y a le retour des brosses par ça. Ça, c'est génial comme marque. C'est 3 euros. La brosse, trop trop bien. Ça, c'est vraiment de la bonne cam. Et vous avez la brosse brushing en par ça à 2,50. Bonne qualité aussi. Et ici, vous avez celle-ci à 2,50 aussi. Je crois que c'est la même marque, hein. Ouais, c'est par ça aussi. Voilà, si vous en avez utilisé, c'est cool. Pour la team faux ongles, vous avez ici les capsules déjà frenchées à 1 euro. Il y en a 100. Vous avez ici des bacs pour ranger vos capsules ou autres. C'est 75 centimes. Les lots de lime, c'est 3 euros. C'est les 10. Donc ça, pour les pour celles qui font les ongles. Vous avez une brosse ici. Brosse pour nettoyer les ongles à 75 centimes. Et vous avez des lots de polissoir par 10 à 3 euros. Alors ça, c'est quoi? C'est pour décorer les ongles aussi, je crois bien. C'est des paillettes. C'est 75 centimes. Il y a des lots.
à 75 centimes aussi. Des petits strass si vous voulez faire vos ongles, des choses comme ça. Ça, c'est pour faire des chablons, je crois, non? C'est 1 euro. Tout ça, c'est des trucs pour onglerie, pour les professionnels. Et ici, on a des bacs à glaçons à 1,50€. Ça vous fait ça comme glaçon. Voilà les jolis, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Prenez soin de vous surtout. Et profitez du soleil. Bye bye.